Alors, la toute première écriture comptable que nous allons passer concerne une écriture d'achat de marchandises. Le 2 mars 2022, achat de marchandises au comptant chez le fournisseur Paul, montant hors taxe 100 000 francs CFA. Le règlement se fait en espèces. Si l'entreprise comptable Cheney a acheté des marchandises, ce sont des produits qu'on achète pour pouvoir revendre. Achat au comptant. Ça veut dire que l'entreprise a acheté et a réglé en même temps. Ce n'est pas un achat à crédit. Le montant hors taxe, 100 000. Le montant acheté, 100 000, c'est le montant hors taxe. Cela veut dire que c'est le montant dans lequel il n'y a pas la TVA. On a déjà exclu la TVA. Il faut pouvoir ajouter 18% de 100 000 pour pouvoir trouver le montant, toutes taxes comprises, le montant TTC. Donc, 18% de 100 000 est égal à 18 000. Nous allons, dans la vidéo suivante, passer lecture dans le journal des achats et l'achat de marchandises. Et nous allons passer aussi dans le journal de caisse, journal de la trésorerie, le règlement. Si ces deux journaux qui seront utilisés, le journal des achats et le journal de caisse, c'est-à-dire le journal de trésorerie. Donc, suivez bien cette partie. Maintenant, nous sommes sur notre logiciel de saisie comptable. C'est un fichier Excel qui est développé pour ça, pour passer les écritures. Nous allons cliquer sur le module comptabilité. Nous cliquons sur ça et il y a deux options. Option professionnelle et option débutant. Cette partie, c'est pour ceux-là qui sont des nouveaux en comptabilité. Ils peuvent utiliser cette partie et c'est très efficace. Ou bien utiliser ça. C'est très efficace aussi pour les professionnels. Ici, nous allons utiliser côté professionnel et après, nous reviendrons utiliser côté débutant. Voilà. Quand nous cliquons sur ça, nous voyons que l'application, le logiciel s'ouvre, nous demandant de saisir les écritures comptables. Maintenant, il y a le plan comptable qui est à côté. On peut lire le plan comptable et il y a le dictionnaire comptable aussi, le dictionnaire de gestion qui est à côté aussi. On peut les voir. Donc ici, le plan comptable, par exemple, si on veut pour les ventes, on commence par saisir V. Nous allons voir tout ce qui concerne les ventes. Vont apparaître, c'est le plan comptable. Donc, tout ce qui concerne maintenant les achats, on va. Vous voyez, il y a achat de marchandises qui est 601. Vous voyez. Donc, nous allons passer les écritures dans le journal des achats. Nous voyons ici, journal des achats, on choisit journal des achats. Maintenant, après avoir choisi le journal des achats, la date vient automatiquement, mais nous allons personnaliser. C'était le 2 mars. C'était le 2 mars. Si le numéro de la pièce, on n'a pas donné, on peut mettre la pièce numéro 1. Maintenant, le compte débité,
le compte à débiter, c'est le compte 601. Le compte 601, c'est le compte qu'il faut débiter et aussi le compte de la TVA. Vous voyez que on a précisé que le montant est 100 000 hors taxe. Le montant 100 000 hors taxe. Maintenant, il ne faut pas oublier de mettre la TVA surtout. Donc, nous choisissons ça. Vous voyez l'écriture, le libellé apparaît en même temps. Maintenant, ici, nous mettons 100 000. On met 100 000 là-bas. Et puis, on valide et on enregistre. On enregistre. Maintenant, on continue avec la TVA. C'est 44,52. Pour la TVA, est comment récupérable. TVA récupérable sur achat. Ici, on va mettre ça, c'est 18% fois 100. Vous voyez que ça fait 18 000. 18 000. Et puis, on vient valider et enregistrer. Maintenant, ce qui reste, c'est le fournisseur. Maintenant, vous savez que le compte fournisseur, dans ce sens, ça va venir ici. Le compte fournisseur, c'est 41. Dans notre cas, 41 seulement, ça suffit. Fournisseur, dette en compte. Vous voyez, on ne peut pas servir ici, hein, puisque le logiciel même nous aide à ne pas commettre des erreurs. Ici, là, on ne peut rien servir. On ne peut que servir ici. Et le montant va faire 118 000. 118 000. 118 000. Maintenant, on va valider. Nous allons valider cette partie d'abord, puisque c'est fini au niveau des journaux et du journal des achats. On n'allons pas tenir compte du stock. Voilà. On valide. Et puis, on continue. Maintenant, nous allons sortir et voir. Pour sortir, on clique ici. Ici, c'est bon. Comme c'est dans le journal des achats, on clique ici. Et nous voyons ce que nous venons de servir. C'est ça ici. Tout est bien servi ici. Bon, ici, c'est la date, hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la date. Donc, on peut corriger ça. C'est la date. Date courte. Ok, c'est bon. Ok, c'est déjà bon. Maintenant, on peut aller maintenant faire le règlement. Le règlement, c'est par la caisse. Donc, nous revenons ici. Je suis professionnel. Maintenant, on choisit le journal de la caisse ici. Après avoir choisi le journal de la caisse, on nous demande si la facture est dans la base. On va dire non. Après, nous reviendrons pour expliquer de quoi il s'agit. C'était le 2. Le 2, le numéro de la pièce, c'est 02 et 01. Je pense que oui. Le numéro de la pièce, 01. Maintenant, le compte qui sera débité, c'est le compte fournisseur. Puisque c'est chez lui, nous avons acheté les marchandises. Normalement, ici, on va ajouter le nom du fournisseur, comme le port.
on met Paul ici. Donc, et le montant que lui va recevoir, c'est 118 000. Il prend son argent plus l'argent de l'État, la TVA. Maintenant, on valide et on enregistre. Ok, attendez, je vais voir ce qui se passe. Ok, c'était une petite erreur. On n'a pas bien saisi. On reprend. Non, ok, c'est ici le problème. Excusez-moi. Ici, c'est les deux. Le fournisseur ici. Ok. 118 000. Et puis on enregistre. Ok. Maintenant, c'est la caisse maintenant ici. Vous savez, la caisse, c'est le compte 57.1. Ici dans WADA. La caisse sociale. Et la caisse sera créditée du même montant, 118 000. Maintenant, on enregistre. Après avoir enregistré, on valide maintenant. OK. On valide. Et je crois que c'est déjà bon. Voilà. Nous allons voir dans le journal de caisse pour voir si c'est bon. Voilà, ce que nous venons de saisir, c'est ça ici. Bon, ici c'est le franc guinéen. On va corriger ça aussi en franc CFA. Donc vous voyez que ça, c'est bloqué. Je reviens pour débloquer pour vous. Vous allez voir comment ça se passe aussi. Donc, je crois que nous venons de finir avec la première opération. Ici, quand nous venons dans le journal général, tout est centralisé ici déjà. Tout est centralisé ici. Et nous allons continuer avec la deuxième opération. Alors, la deuxième écriture comptable que nous allons passer, c'est une écriture de vente. Le 10 mars 2022, vente de marchandises à crédit au client boutier. Facture droit, numéro vente 001, montant hors taxe, 1 million francs CFA. Ici, le client boutier achète les marchandises, mais il n'a pas encore réglé. C'est ça, on dit vente à crédit. Et le montant sans la taxe est égal à 1 million. Ici, nous allons utiliser le journal de vente seulement. Nous n'allons pas utiliser un journal de trésorerie parce que le client a acheté et il n'a pas fait le règlement. Donc, c'est un seul journal qui sera utilisé, le journal des ventes. Donc, suivez bien dans cette étape suivante, comment nous allons passer cette écriture. Voilà, maintenant nous sommes ici dans notre logiciel pour pouvoir saisir l'écriture de la vente, l'écriture de la vente de marchandises à crédit.
et à la date du 10, il dit si on va choisir le journal en question, le journal de vente, on le choisit ici. Maintenant, on demande de mentionner la date ici. La date, c'est le 10. C'est le 10. Le numéro de la pièce, c'est la pièce 02. Maintenant, comme c'est la vente, nous allons mettre ici. Bon, d'abord ici, la vente. Bon, c'est le client qui va s'inscrire. Bon, le client, c'est 411. Le compte 411. Vous allez voir que le libellé apparaît automatiquement. Comme c'était 1 million, mais le client va supporter la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Cela veut dire 18% de 1 million, plus maintenant le montant des marchandises. La valeur des marchandises, c'est 1 million, plus 18% de 1 million. Ça fait 1 million 180 000. 1 million 180 000. Et puis, on a enregistré ici. Non. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Oui. C'est ça. Excusez-moi, je vais voir ce qui se passe dans le journal des ventes. Ici, on va se retrouver. C'est le 10. Le 10. Ça fait client ici, 1 180 000. Maintenant, ici la vente de marchandises, 700. Vente de marchandises, c'est 701. Vente de marchandises, c'est ça, 1 million. Vous voyez, c'est 1 million, ça. On enregistre. Maintenant, à TVA. C'est 44,31. 44,31. TVA facturée sur marchandise. Ça fait 180 000. 180 000. 44, 31, ça c'est la TVA. Et on enregistre. Et on va venir cliquer sur valider maintenant. Voilà. On clique sur valider. Je crois que c'est bon. Bon, nous allons sortir voir dans le journal des ventes. Journal des ventes. Bon, journal des ventes. Ça dépend de comment il y avait écrit. C'est ça ici. C'est déjà bon. Là, ce sont les dates ici. Et on peut les arranger. Donc, il a fait protéger.
je reviendrai pour déprotéger la feuille. Donc, avec cette partie, je crois que c'est déjà fini ici. Nous allons entamer la prochaine étape. Nous allons entamer. Alors, la troisième écriture comptable que nous allons passer ici concerne le règlement par chèque du client et sa facture doit numéro vente de marchandises 001 du 10 mars 2022. Donc, ici, c'est une écriture de règlement. Le client Bitier qui avait acheté sans régler vient maintenant au 15 mars pour faire le règlement. Et on sait que ce montant était 1 million hors taxe. Maintenant, plus la taxe, on fait 1 180 000. Donc, nous allons passer à l'écriture. Ici, on dit règlement par chèque. Ça veut dire que le règlement est fait par la banque. Il a fait un virement et il nous a remis un chèque et nous sommes partis encaisser le chèque. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer lecture du règlement du client Bitier. Ici, c'est dans le journal de la banque. Nous allons choisir la banque, journal banque, c'est ça ici. Comme c'était le 15, on nous demande si la facture est dans la base. Nous allons dire non. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. Toutes ces questions-là. Si c'est le 15. Maintenant, comme c'est la pièce numéro 2. Au débit, c'est le compte banque qui est débité avec un montant de 1 180 000. Donc, attendez, nous avons commis une petite erreur. Non. Le voilà. C'est la pièce 2. Ici, c'est 52,1. Et ici, c'est 1 180 000. Nous enregistrons. Maintenant, et le client qui va, le client Paul, lui, il va arrêter, il sera crédité. Le client Paul sera crédité à un montant de 1 180 000. Et on enregistre avant de venir ici valider. Voilà. Et puis, c'est bon. Maintenant, nous allons revenir à la caisse pour voir. Non, je dis à la caisse de la banque pour voir ce qui s'est passé. Et c'est bon. C'est bon ici. Voilà. OK. Le montant n'est pas tiré. Si les soldes sont tirés aussi, je crois que c'est très bon. Ici, on peut sortir. On peut sortir.
et retourner. Nous allons continuer avec la troisième. Maintenant, dans cette partie, nous allons passer l'étude de règlement sur achat de l'ordinateur pour le directeur commercial. Et comme le règlement s'est fait par chèque bancaire, vous savez, en comptabilité, et quand nous, si nous sommes le client, que nous émettons un chèque au profit d'un fournisseur ou bien d'un tiers, nous utilisons directement le compte banque au lieu d'utiliser le compte chèque à encaisser et chèque à l'encaissement. Et nous allons utiliser directement le compte banque puisque on sait que tôt ou tard, le compte banque sera crédité. Donc, nous allons utiliser le compte banque. Ici, nous allons choisir le journal de la banque. Le journal de la banque. Non, on dit non. Et ici, là, la date, c'est le 20. La date, c'est le 20 mars. Le numéro de la pièce. Maintenant, le compte qui sera débuté, c'est le 481, une chaire d'investissement. Un investissement. Hein. Le montant, c'est le montant tout taxe comprise, le montant TTC, 118 000. Voilà, on valide ici. Maintenant, le compte qui sera débité, c'est le 52.1, banque locale. Vous voyez ici, il est bloqué, on ne peut pas saisir ici. Montant débit, puisque on sait que si le compte est au crédit, le montant sera au crédit. Donc, le logiciel bloque, après, vous ne pouvez pas saisir quelque chose ici. Donc, on ne peut que saisir ici. Maintenant, on enregistre avant de venir valider. Les écritures ne sont pas correctes. Oui, les écritures ne sont pas correctes. Oh, ok, c'est normal. Ici, on a enregistré 1 180 000. Pourtant, ici, c'est 118 000. Je lui fais l'erreur. Nous allons reprendre. Ok. Nous allons reprendre. Nous avons commis l'erreur et le logiciel a rejeté. Vraiment. Nous allons reprendre. Donc, vous voyez, quand vous commettez une erreur, au lieu que le logiciel vous laisse, vous allez continuer dans l'erreur, il vous bloque, afin que vous ne puissiez pas continuer dans l'erreur. C'est très bon. C'est une très bonne chose. Et sur le compte 481, qui est débité. Maintenant, avec le montant 118 000, on voulait écrire 118 000 et on avait écrit 118 000. On a écrit 1 180 000. Voilà. Et puis, ça a rejeté.
Maintenant, voilà. C'est bon maintenant. Je passe maintenant. Ici, c'est la banque maintenant. Hein. Banque locale. On ne peut pas saisir ici. Si le montant et le compte est au crédit, on ne peut pas saisir dans ce champ, montant de débit. Ce champ seulement. 118 000. Et puis, on valide maintenant. On valide. Ah, mais que tu es bien équilibré dans sa face. Ok. Donc, notre ordinateur. Plante. Voilà. L'écriture que nous venons de passer tout à l'heure, c'est ça ici. Ce sont les sortes. Vous voyez que ok, il y a une petite erreur, ce n'est pas une erreur. Je sais de quoi il s'agit. Donc, je sais de quoi il s'agit. Maintenant, je viens dans le grand journal et il y a tout ce qu'on vient de passer, tout est ici. Voilà. Alors, dans cette partie, comme je l'ai dit tantôt, nous allons saisir les écritures comptables relatives à l'achat de l'ordinateur pour le directeur commercial. L'achat d'ordinateur, c'est un achat d'immobilisation. Le matériel informatique est un bien durable qui peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, 10 ans, hein, pourquoi pas. Donc, nous venons saisir ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce quel compte il faut utiliser, ça doit être le compte 241, non, 241, c'est mon tel de bureau, 242. Vous voyez, quand on saisit 242, on voit que c'est matériel informatique qui apparaît. Donc ici, quand on saisit ça, vous allez voir que ça s'affiche là-bas. Matériel. Matériel. Tous les matériels s'affichent ici. Voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez trouver ça ici. Le matériel informatique. Là, on va aller saisir ça. Dans le journal des achats, si c'est bon, on choisit. Et la date, je crois que c'est le 20, ou bien c'est le 15 quand même. De toute façon, c'est la même chose. Maintenant ici, le numéro de la pièce, nous mettons la pièce 3, comme c'est matériel informatique. De 24,42 et ici le montant de ce matériel, le montant tout taxe comprise était 118 000. Donc le montant hors taxe est 100 000. Nous allons mettre le montant hors taxe d'abord. 100 000. Et ensuite, nous mettons la TVA sur ce matériel, c'est 44,51 pour
faire une mobilisation, ça va faire 18 000. Vous voyez, il y a plusieurs récupérables sur mobilisation. Maintenant, le fournisseur d'investissement, ce n'est pas 41, ce n'est pas 401, mais je crois que c'est 408, quelque chose comme ça. Je vais aller chercher ça. Fournisseur d'investissement. Voilà, 48.1. Ici, c'est 118 000. C'est le compte qui sera crédité. Maintenant, on valide. Voilà. Nous avons validé. Nous allons maintenant nous allons voir d'abord un instant l'ordinateur là qui est un peu lent. Voilà. Nous allons voir si l'écriture est bien saisie. Ok, je crois que c'est ici. Matériel informatique est bien saisie. C'est propre. Sachez que si l'écriture n'est pas équilibrée, le logiciel va rejeter ça. Maintenant, on va continuer. Voyons ici comment ça y est. C'est bon. C'est bon là-bas. Maintenant, nous allons faire le règlement. C'est par la banque. Chèque. Nous allons faire le règlement. Maintenant, pour régler aux fournisseurs d'investissement, le compte qu'on va utiliser ici, dans le journal d'abord, c'est le journal de la banque, puisque le règlement est fait par chèque. Vous savez, en comptabilité, quand on émet un chèque au profit d'un tiers, on crédite le compte banque directement. Au lieu d'utiliser le compte de chèque, valeur encaissée, chèque à l'encaissement, chèque encaissé, avant d'aller étape par étape, on utilise directement le compte banque au lieu d'utiliser le compte chèque. Mais si c'était un client qui nous avait réglé, on va suivre les procédures, chèque à encaisser, chèque à l'encaissement, jusqu'à avoir avis de crédit avant de pouvoir débiter le compte banque. Dans notre cas, nous allons directement utiliser nos visionnements. On n'a pas émis cette facture dans la base. Si c'est la pièce numéro 3. Maintenant, le compte qui sera débité, c'est le compte 481, Michel d'investissement, et c'est 118 000. On valide ici. Ok.
Voilà, comme je le disais tantôt, maintenant nous allons saisir l'écriture de constatation des salaires du mois de mars qui s'élève à 500 000 et le règlement aussi. Et le règlement aussi. Maintenant, ça c'est le journal des opérations diverses. On va régler ça dans le journal des opérations. Et on va passer l'étude dans le journal des opérations diverses. Inch'Allah. C'est le 25. C'est au 25 qu'il y a eu ça. Donc, le 25 mars. Bon, on va donner ça à la pièce numéro 4. D'abord, c'est quel compte qui sera débité. Je pense que c'est le 661. On va voir. Rémunération directe versée au personnel national. Et le montant, c'est 500 000. Non, c'est 500 000. Et on dépose ici. Puis on vient. Ce sont des salariés personnels, rémunération du. Ici, même chose. 500 000. Le compte 42, 422, c'est le compte de salariés. Donc, on vient de passer, on valide. On valide. Et puis, nous allons passer l'écriture comment l'écriture de règlement. Venons voir. Ok, si on n'a même pas prévu la place pour aller voir ça, mais de toute façon, il y a toujours ça dans le journal général. Donc, c'est ça ici. C'est ça ici. Maintenant, nous allons passer l'écriture du règlement à la caisse. Puisque le règlement s'est fait en espèces. Voilà. On nous demande si ça facturé dans la base. Non, on dit non, ce n'est pas dans la base. C'est au 25, la pièce numéro 4. Le compte débité, c'est maintenant. On peut toujours ajouter des choses ici et là. Ce n'est pas la peine pour le moment. Les détails. On enregistre. OK. Je constate que à chaque deuxième opération, il y a ce souci. C'est au niveau du logiciel. Mais ça doit être corrigé. C'est pièce numéro 4, le compte 500 000. 500 000. Maintenant, le compte là, c'est la caisse. Notre logiciel n'est pas comme ça ici. Et on valide.
Maintenant, nous allons vérifier à la caisse. Voilà. L'écriture là, c'est ça ici, les signes amis. Je crois que c'est parti. Alors, dans cette partie, maintenant, nous allons voir comment éditer la balance et le compte, je dis le grand livre des comptes pour vraiment visionner le travail que nous venons d'abattre. Et maintenant, pour pouvoir afficher la balance, il nous suffit juste de cliquer sur ce bouton, les états financiers, et cliquer sur états financiers ici, et nous venons sur ce bilan provisoire, et nous allons choisir la période du bilan. On dit 2, ça dépend de quelle période on veut, de janvier 2022 à décembre 2022, c'est un an. Et puis, on clique sur actualiser. On clique sur actualiser. Puis, le document est actualisé. Voilà, on peut constater que le bilan est rempli, mais c'est rempli seulement que certaines parties sont incomplètes. À nous de vérifier et à l'aide de la balance que nous avons. Le grand livre que nous avons ici. Maintenant, d'abord, on va voir le grand livre. C'est quelque chose qu'on a fait comme ça. Vous voyez, pour chaque compte, il y a les détails. Pour chaque compte, il y a ces détails. Le compte client, les 1 180 000, le compte vente, les 1 million, le compte caisse, ça fait, c'est le total ici, hein, le 618 000, puisqu'il y a 118 000, plus 500 000, ce qui donne ça, chaque compte avec les détails, avec les dates. Bon, ça, je crois que c'est bon. Voilà, c'est comme on a le bouton retour ici. On vient ici dans la balance. Puis, on va voir notre balance. OK. La balance est là aussi. Chaque compte, ces comptes-là n'ont pas de solde initiaux. C'est pour cette raison, il n'y a rien ici. Maintenant, les mouvements, débit, crédit, vous voyez que la balance est bien équilibrée. Débit doit être égal au crédit. Ce montant doit être égal à ce montant. Et ici-là, ce montant également doit être égal à ce montant. C'est ça qui explique le principe de la partie double. Voilà. Les comptes qui ont les soldes zéro ne figurent pas dans le bilan. Maintenant, le compte état,
nous lui devons, mais ça ne figure pas dans le bilan. C'est celui que nous allons aller corriger. S'il y a une petite erreur, si les libellés ne s'affichent pas, je crois que c'est à ce niveau, au lieu de 5 qui est sorti, mais ça ne vient pas toujours. Mais pour corriger ça, bon, pour le moment, j'ai des astuces. On met juste cross off devant le chiffre qu'on veut, le numéro de compte qu'on veut afficher le libellé. Et puis le libellé s'affiche. Vous voyez, non? Mais c'est bon. OK. Tout, hein, un peu partout. Si on fait, c'est comme ça, c'est. Mais avec l'autre version, je crois que c'est bon. OK. Maintenant, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Et je crois que cette vidéo va vous plaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de nous signaler en commentaire et dites-nous ce qui n'a pas marché dans la vidéo pour que nous puissions essayer d'améliorer dans nos prochaines vidéos. Et si vous avez besoin d'essayer cette application en question pour pouvoir présenter vos états financiers, vous pouvez, n'est-ce pas, faire la demande pour que nous vous le livrons. Ici, là, ça c'est le compte de résultat. Ça c'est le compte de résultat. Je pense que c'est pas bien fini. Que le résultat n'est pas OK. Ici, les salaires ne sont pas sortis. OK, c'est bon. L'application ne fonctionne pas bien avec le Windows 7 aujourd'hui. Faute de notre machine, nous avons utilisé le Windows 7, ce qui fait que l'application ne bosse pas bien. C'est le compte de résultat qui est très 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 simplifié, hein? Très simplifié. Vous voyez, le chiffre d'affaires s'élève à 1 million et il y a achat qui est 100 000 et puis la marge fait 1 million moins 100 000, ça fait 900 000. Maintenant, dans la marge, et on enlève les autres dépenses. Maintenant, comme il n'y a pas les autres dépenses, c'est vide. Ça donne la valeur ajoutée qui est 900 000. Et 900 000, vous savez, il y avait les frais de personnel, les charges du personnel qui s'élevaient à 500 000. Dans 900 000, on enlève les 500 000, ça fait 400 000. Maintenant, les amortissements, il n'y a rien. Le résultat d'exploitation est égal à 400 000. Donc, c'est pourquoi quand on vient dans le bilan, on a le résultat d'exploitation qui est égal à 400 000 ici. Tout est bien. Et au niveau du bilan aussi, tout n'est pas bien équilibré du fait que tous les éléments n'étaient pas pris en compte. Donc, ici,